à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les gars, toute nouvelle vidéo sur Fortnite. Et en plus, c'est la nouvelle mise à jour de la saison 2 du chapitre 4. Et en plus aujourd'hui, c'est la journée spéciale Star Wars les gars, avec bien sûr un événement. Mais c'est un événement Star Wars. Et l'événement les gars, c'est du grandiose. C'est un événement de fou. On va avoir 2 skins gratuits. C'est pas de la blague. 2 skins gratuits avec des différentes variantes et tout. Vous allez voir, je vais vous montrer tout ça, je vais vous expliquer tout. Et tout ça. Et comment dire. Et du coup voilà, je pense que vous avez remarqué que j'avais pas posté la semaine dernière. C'est parce que comment dire, j'attendais cette vidéo avec impatience. Parce que cette vidéo je pense elle va sortir très tôt. Là aujourd'hui je la tourne mardi du coup. Donc je pense que ça va sortir mardi. Donc mardi soir. Donc je pense que quand vous la verrez, bah voilà quoi. En tout cas pour ceux qui sont en vacances, bah, je vous souhaite de bonnes vacances de Pâques. Et tout simplement, eh bien, on va se concentrer maintenant sur la vidéo. Donc on va d'abord aller voir les petites notifications. Alors le pouvoir de la force. Cherchez un instructeur et apprenez à utiliser la force pour pousser, attirer ou soulever des objets ou des joueurs. L'entraînement à la force vous permet de sprinter plus vite et de faire des doubles sauts tant que vous êtes équipé d'un sabre laser. Ensuite on a quoi? Anakin Skywalker et Padmé Amidala. L'un est destiné à devenir l'élu et l'autre est la sénatrice la plus courageuse de Naboo. Les renforts de réalité, oui parce qu'on a eu encore des nouvelles renforts de réalité à ce qui paraît. Donc rechargez vos pistolets plus vite avec avec recharge du coup. Désespérez réduire le recul des fusils de précision avec prise stable et bien plus grâce aux renforts de réalité. Alors, nous avons aussi la série Deal Play Wave, je sais pas comment on le dit. Donc, Cérébral Cinéma. Ne perdez pas de temps, venez écouter la musique de Youngblood sur le lieu de Cérébral Cinéma créé par Maestro Shark. Moi, personnellement, je vais pas aller voir l'île. Mais aujourd'hui, on va plus se concentrer sur les quêtes et tout ça. Il y a d'ailleurs des quêtes un peu plus chiantes que je vais vous montrer. Attendez, je vais voir mes notifications. Je sais pas qui c'est avec qui. Et oui, les voilà. Voilà les fameuses quêtes avec 2 skins. Un planeur très spécial. Et bien d'autres surprises que je vais vous montrer. Alors pour commencer, du coup, nous avons les fameux. Nous avons du coup les quêtes à faire. Du coup, qui vont nous débloquer tout simplement toutes les surprises, etc. Donc je vais vous montrer les quêtes, elles sont ici. Donc c'est les toutes premières. Trouvez la force, accomplissez des quêtes et suivez l'enseignement de la force. Donc nous avons le fameux planeur et nous avons un sac à dos si je vois bien. Et une danse ainsi que un skin. En tout cas d'important à voir. Donc je vous montre tout ça. Donc ici nous allons faire 3 quêtes pour obtenir eh bien tout simplement la force. On va tout simplement voir le planeur. Donc ça ne ressemble pas à Tatooine. Atterrir pendant l'événement, trouver la force. Donc en gros on doit trouver la force. Donc je sais pas où on va trouver ça. Donc on va découvrir ça tout ça. Donc il n'y a pas de lieu spécial Star Wars sur la map. Ce qui est dommage en soi. Il n'y a rien qui a l'air d'avoir changé. Donc il y aura sûrement encore le fameux vaisseau là qui spawnera à côté du car et qui ira se poser à un endroit très précis. Alors, apprendre les pouvoirs de la force à des portails dans plusieurs parties. Donc, apparemment il va y avoir des portails. Hein. Hop. Ok. Fouiller un coffre de la République. Donc là il y a plusieurs coffres et tout ça. Donc ça je pense que c'est la première quête qu'on va faire. Recruter personnage. Ah donc apparemment on a de nouveaux personnages aussi normalement. Vu que c'est une mise à jour on va avoir forcément. Ah et d'ailleurs on aura sûrement le fameux planeur du top 1 à débloquer. Parce que vous savez bien à chaque mise à jour il y a le planeur du top 1. En plus là du coup vu que c'est l'événement Star Wars. Donc ce sera le planeur du top 1 Star Wars du coup à mon avis. Alors infliger des dégâts à un adversaire pour toi à sabre laser ou à fusil blaster D5-15. Ouais ça c'est très dur hein. Détruisez des objets avec des pouvoirs de la force
ou une arme de Star Wars. Ok. Obtenir des munitions à des lieux dits. Ok, donc on ira voir ça. Projeter un minerai cinétique avec une arme de Star Wars. Ça va être facile à faire. Parcourir la distance à pied de nuit. Parcourir la distance dans des véhicules. Étape 1 sur 3, survivre à un cercle de la tempête. Étape 1 sur 3, parcourir la distance en sprintant. Donc ça, ça va être relativement facile et du coup, on aura la suite dans 4 jours du coup. Donc, merde. Donc voilà, on a pas mal de trucs à faire, donc on va commencer ensemble évidemment. Nous avons aussi les défis potes au top. Ça, malheureusement, ces défis là, je pense pas que je vais les faire avec vous parce que là, j'ai aucun ami, pote au top connecté. Donc, je verrai avec Ronaldo Tolga pour les faire. Je verrai avec lui ce soir ou quoi. Donc, à moi que je filme et tout ça. Donc, voilà, c'est des quêtes assez faciles en soi. Donc, voilà. Rappeler un ami. Donc, suivre la quête. Attendez. Un ami, comment on fait ça, je sais plus. Alors attendez, donc on va essayer de rappeler un ami. Donc j'ai personne qui est éligible ici. Hein. Donc, ok, donc pour le rappeler, on doit faire autrement. Ah non, voilà. Donc on a le premier truc. Alors, quête accomplie. Terminer une partie de Battle Royale avec un ami éligible. Gagner de l'XP avec un ami éligible. Ouais, donc ça va être chaud à faire. Hein. Donc, attendez, je vais tout vu, voilà. Donc, on va essayer de faire ces quêtes-ci, du coup. Donc, on va essayer de récolter, du coup, des pouvoirs de la force. Normalement, c'est ça qu'il faut. Et du coup, après avoir terminé tout ça, et ben, j'aurai simplement à déverrouiller ça en dessous. Donc, je vais déverrouiller plein de choses en temps normal. Hein. Bon, c'est parti du coup, donc on va aller en Battle Royale. C'est parti. Okay, j'aime bien la... Le lobby, il est très stylé. Oh d'ailleurs, attendez, on va aller dans le pass de combat, on va aller déverrouiller 2-3 trucs là. Oh merde, attendez, j'étais dans le truc de Range Jagger, j'avais pas vu. Hop, on va déverrouiller le skin. Tac. Pas mal d'étoiles, donc on va s'équiper du skin. Hein. Et merde, j'ai pas le temps de sauvegarder, c'est pas grave. Normalement, j'ai quand même le skin. En tout cas, les amis, il y a un projet qui est en train d'arriver, qui est en train d'être pas terminé, mais qui est en train de beaucoup avancer. Le fameux projet Minecraft Ville est en train de beaucoup avancer. Pour l'instant, j'ai un peu fait une pause sur la ville parce que j'ai plus de personnes pour construire avec moi, donc là j'en ai un peu marre. Et bientôt je vais commencer à faire des vidéos histoire de jeu avec vous. Je pense qu'on va faire l'histoire de Call of Duty et tout, donc on va recommencer depuis les tout premiers Call of, donc les Black Ops. Black Ops 1, 2, 3, tout ça. Jusqu'à arriver jusqu'au dernier Call of Duty qui sont sortis récemment, donc Modern Warfare. Alors voyons voir tout ça. Il n'y a l'air d'avoir rien qui a changé pour la carte. Hein. Oh, il n'y a rien qui a changé. On va voir les quêtes et on va essayer d'en faire certaines. Donc on va fouiller un coffre de la République. On commence bien comme ça. Donc je pense qu'on va régulièrement quitter la partie pour... On vite avancer dans les quêtes parce que là honnêtement j'ai pas envie de faire des parties de Fortnite tout ça parce que hier j'ai joué, je suis tombé sur des mauvais joueurs et tout les gars, c'est... Ah la communauté c'est de la merde hein. Ok. On va aller là hein.
qu'il n'y a pas de vaisseau Star Wars qui ont spawn du coup. Ouais, parce que mon marqueur il veut pas. Ah ouais, d'accord, j'ai compris. Les quêtes elles sont encore buggées, les gars. Voilà, il faut que je mette le marqueur moi-même manuellement quoi. Ok, donc peut-être qu'on va déjà trouver la force, ça pourrait être bien. Fouiller du coup à coffre de la République. Comment ça fonctionne? Voilà, c'est bon. Il y a juste eu à chaque fois de toute façon que j'ai une mise à jour, ça bug tout le temps. Ok, mais il n'y a pas les Stormtroopers aujourd'hui. Sur cette mise à jour-ci. Alors qu'est-ce qu'on a? Donc, ouais, les grenades classiques. Et on a fusil. Je sais pas du tout s'il est puissant ou quoi. Hop, ok. Il y a des gens autour là. On trouve la force, mais je sais pas où. Où trouver la force en fait. Je sais même pas à quoi elle ressemble. Débarrasse de tout. On va prendre ça, ça. Ça prend un coup de popo. C'est très con ce que je suis en train de faire. On va tester si si les armes sont puissantes ou pas. Et donc il faudra un petit cobaye là. Honnêtement, j'ai déjà vu plus puissant. Regardez, on a un truc qui. J'ai un truc qui va s'afficher là. Je pense que c'est un sabre laser ou alors c'est la force, je sais pas. On va voir c'est quoi. C'est un hologramme, non? Attends. Quoi? Anakin Skywalker. Waouh! Waouh! C'est quoi ça? Oh la dinguerie! Oh la dinguerie! J'adore cette nouvelle arme. C'est une dinguerie les gars. Ok, donc on vient de tuer quelqu'un du coup avec avec une arme de la force du coup. Parcourir la distance en sprintant, survivre au cercle de la tempête. Parcourir la distance à pied de nuit. Lui dit donc ouais, je dois aussi obtenir des munitions, détruire des objets avec de la force. Ok, fuis des dégâts de... Ah ouais, c'est ça. Donc ouais, donc je dois dans plusieurs parties apprendre le pouvoir de la force. Ah, on a un rail qui est apparu ici. Wouh! Les gars, en plus le sabre laser il est trop stylé. Yeah.
vais accomplir encore une nouvelle quête, les gars. Donc là, du coup, on va bien avancer dans le truc. Hein. Oh oui, ça va le prendre. Hein. Oh putain, il y a le bruit d'une arme que j'aime pas du tout. Il vient de se faire monter en l'air, le pauvre. Je monte tout le monde en l'air avec cette nouvelle arme. C'est exceptionnel. Avec ces nouveaux pouvoirs, on va faire de moi un super héros. Les avant tout. On va se mettre dessus. Oh merde, j'ai pas le temps. Ok, donc je vais projeter ce minerai là. Je retrouve un deuxième. Est-ce que clairement je m'en bats les couilles de la zone? Oui, totalement. Let's go! De toute façon, je cours bien plus vite maintenant. Donc, pour en vrai, rattraper la zone, c'est easy. Donc là, je suis en train de tryhard tous les. Putain de défi à la con. Et vous avez vu, j'ai glow up deux fois en vrai sur Fortnite. Je sais pas si vous vous rappelez les tout débuts là où j'étais vraiment une grosse merde. Maintenant en déplacement je suis vif. La distance en sprintant. Je vais prendre de la force. Hop. Merde. Eh, je me mets tranquille en train de regarder la carte, moi. En vrai, parcourir la distance en printemps, c'est... Voilà, ça va. Eh, je suis bien, moi. Hop là. Je suis en train de survivre à tous les cercles de la tempête. Je pense qu'on va essayer d'aller recruter un personnage aussi. Mais ça, je pense qu'on va faire ça dans la prochaine partie. Là, on va déjà quitter la partie du coup. En plus, j'ai eu une couronne donc je suis trop content. Je sais pas si du coup je vais la garder ou. Je pense pas vu que je vais quitter la partie. On va voir. J'ai jamais testé. Je suis sûr là, vous allez tous me répondre en commentaire. Mais c'est trop con, bien sûr qu'on la garde. Oh, moi c'est des trucs que je teste pas moi. C'est parti, on va aller tout déverrouiller. Non, j'ai pas encore déverrouillé de trucs. C'est pas grave. Donc alors on a eu le skin. Donc on va voir les différents styles. Donc on a avec la capuche ou sans la capuche. Oh petit, ce style là il est trop beau. Stylé. Ouais. Oh ouais, ça va. Ouah, alors comme ça elle est trop belle. Enfin je parle Ouais, la meuf aussi elle est bonne. Alors. Ouais, donc vous aurez remarqué que j'ai acheté le pass de combat d'ailleurs. Qu'on pas remarqué. J'avais envie de me faire rappeler, c'est d'acheter le pass pour une fois. On va s'équiper de ça. Et bien voilà, bon, on va continuer les quêtes. Alors attendez, là j'ai plutôt bien avancé. Donc on va atterrir pour recruter un personnage. Grand Jojo qui m'invite. Je pars jeu parce que je suis en tournage vidéo et j'ai pas trop de venir. Alors on va devoir trouver un nouveau portail et tout pour du coup réapprendre la force. La force. Donc maintenant je sais comment on trouve la force, c'est sous forme d'hologramme. On va prendre le pouvoir de la force.
taille. Recruter un personnage. Ça, je l'ai pas encore fait, donc je pense que prochaine partie, on va atterrir à... un endroit pour recruter un personnage. Survivre au cercle de la tempête. Ça, survivre au cercle de la tempête, ça va être vlalon, ça. Oh oui, moi je vous le dis. Il va falloir que je tryhard les parties. Parcours à pied de nuit. Recruter un personnage. Donc ouais, je pense qu'on va faire ça. Let's go. Ok, on est parti. On va aller recruter un petit personnage. Dernier personnage, je pense, je les ai tous. Non, il m'en manque plus que. Voilà, celui-là d'ailleurs. Faut que je le recrute donc. Enfin, il faut que je recrute un personnage. Et en plus, lui, il faut que je le mette dans ma collection. Donc, on va faire d'une pierre deux coups. Hein. Pas bête la guêpe, hein. Ah, vu que je suis un guépard, très plutôt pas un bête le guépard. La guêpe, le guêpe, ouais. Ah non, le guêpe, ça peut porter à confusion et ça peut faire penser le gay. Je suis pas gay, moi. Oh putain, j'ai encore un mec qui vient. Ça, hier, il y en a, ils arrêtaient pas de me le faire, ça. Tout le temps, ils me suivaient, tout le temps. Il y en a un, je vous jure, no joke, il a vu que j'allais à un endroit tranquille. Le mec a changé de direction, il est venu vers moi. Il a pris le coffre avant moi et il m'a mitraillé ma mère. D'ailleurs, putain, dis-moi pas qu'il y a déjà quelqu'un qui est venu ici. Hein. D'abord s'équiper. Il est où? On va prendre un fusil. Salut toi. Je vais te prendre ça. Et merde, je peux pas le recruter, quel con. Oh putain, j'y étais pour rien. Ok, je suis où? Je suis là. Je pourrais reculer en arrière et aller chercher lui. Il faut que je me grouille. Et en plus, il faudrait que j'essaie de me trouver un nouveau portail pour avoir la force. C'est bon, normalement j'ai un nouveau personnage. Même pas, je l'ai pas. Ah non, merde, c'est là que je dois aller en fait. Ah non, j'avais deux personnages à avoir en fait. J'ai cru qu'il m'en restait plus qu'un, moi. Non, pas du tout. On va essayer de pas se hagla la gueule par des gens. D'ailleurs les gars, l'autre fois j'étais en live sur Twitch. Bon, il n'y a pas souvent des gens, mais là j'ai eu la chance, j'avais quelqu'un qui était là. Il est où? Et j'ai un très bon shoot. Hein. On va se démerder avec ça. Oh non! Oh, je me suis fait avoir comme une merde! Putain! Quelle quête on va aller faire maintenant? On a recruté un personnage. Alors on va essayer d'aller vraiment recruter un personnage. On va aller recruter lui. Je pense que c'est peut-être mieux. Atterrir pendant la force. Pendant l'événement, trouver la force. Je pense que ça devrait le faire. C'est la deuxième fois puisqu'on atterrit donc.
détruire lui, à prendre le poids de la force à déporter dans plusieurs parties. Bon, let's go là, je suis impatient moi. Je veux manger moi, je veux faire l'amour. Comme ça même, ça pour ceux qui ont compris. Merci au monteur qui aura mis le même. C'est moi qui monte mes vidéos, donc parfois quand vous voyez que dans des vidéos il n'y a pas beaucoup de montage, c'est que j'ai eu la flemme de faire du montage. Ou alors, non, en vrai moi, les gars, j'ai une règle, c'est que moi mes vidéos, je mets le moins de montage possible. J'essaye que mes vidéos restent le plus naturel possible. Parce que moi, je sais pas, quand il y a trop de montage, parfois j'ai l'impression qu'on en est plus sur YouTube, mais qu'on est sur un truc Hollywood. Ah si, moi je vous jure. Hein. Oh, je suis trop fort. Allez hop, ça part. Oh non! Ça, hein. Oh, je vais le faire, hein. Attends, il est où? Juste pour rappeler. Comme ça. À niveau shield. Prends ça. Pas où il est, Spagua. Il est en train de jouer avec des portes. C'est tout quoi comment? Attends, je vais prendre ça. Moi. Oh, je lui ai pété à sa tête. Oh, je lui ai pété à la gueule. Ouais, yo. On a un coffre dehors, on va le chercher. Oh oui, on a la force là-bas. Elle est par là, on va aller la chercher. Je m'en bats les couilles. Oh putain. Oh, on est dans la merde. Il vient d'apprendre la force, les gars, on est dans la merde, moi je vous le dis. Excusez-moi de rager comme ça, mais là ça devient chiant là. C'est quoi? Attends, il y a un autre pouvoir de la force là-bas, on va aller le prendre. En plus c'est la force rouge, ça m'intéresse, frère. Moi de base je suis avec les gentils, mais là il n'y a plus de gentils, il n'y a plus de méchants, frère. C'est chacun pour sa gueule. On va lui péter sa vieille tête de chips. En plus j'ai encore Putain frère toi. Allez meurs. Je suis trop en forme aujourd'hui. Ouf, franchement.
Ah, c'est Dark Moule. Ah oui, je veux. Oh, j'adore les trucs de faille comme ça, ça rappelle le temps, l'ancien temps et tout. Waouh. Ah oui, mouille-moi toi. On va prendre un peu de shield. Il va falloir qu'on abat quelqu'un, donc on va retourner vers l'arrière puisqu'on va essayer de trouver le mec là qui avait son sabre de merde là. Oh là les gars, moi je vous le dis. Ok, alors on a plein de défis qui sont finis là. Trouver la force. Oh là, j'ai juste envie de faire une partie hit game. Oh là là. Oh, je vais me faire un malais plaisir d'aller leur péter la gueule. Faudrait juste que je trouve quelqu'un qui a un sabre sur lui quoi. Oh le headshot. Oh le headshot ma vie. Mais toi t'es mort en fait. J'ai un sabre laser. Tu veux quoi ma copse? Meurs. J'ai aussi plein de quêtes ici à refaire. Les quêtes de l'histoire, wesh. Oh, attends, on va y faire un petit braquage. Oh, c'est méga puissant cette merde. D'ailleurs, si je veux, attends, je peux aller prendre le coffre en fait. Si je veux, c'est beaucoup trop cheaté là. Moi dans chaque partie j'aurai le pouvoir de la force, ça te casse pas. Hein. Carte, tac. Merci mon brave. On se casse. Oh, je les ai démolis par contre. Il faut aller en dessous, c'est... Oui. Oh, il va le regretter, il va... Oui, oh, mais c'est bon là. Eh, vous êtes combien? Ok, là il est mort. Wouhou! Moi c'est exceptionnel. J'adore ce nouveau. Moi
Lâche-toi. On prend. Ça, on le prend. On prend. Les armes, on le prend. Merci. Et on prend ça. Ça, je m'en branle. Ça, je m'en fous. Ça, je m'en fous. C'est quoi? On va prendre ça. Et je vais m'en remettre bien aussi. Parce que là, je suis un peu en PLS. Là, je respecte pas du tout. D'habitude, mon stuff, c'est pas du tout ça. Mais là, je m'en fous totalement là. Bon, là, je me concentre plus sur les quêtes. Visiter. Non, c'est pas ça. On va le mettre en favori ce truc là. Si, mec, juste à côté de moi. Il colle pas ma distance là. Putain, je suis en train de trouver une distance en spontan, il colle pas celui de putain, voilà. On a bientôt fini le défi. Oh là, on a terminé ce défi. Yes, on survit aux chutes. De la distance. Un sprint, hein. Ah non, glissant maintenant. Oh oh oh, sont cheatés. J'adore. Merci. Non mais là franchement ils sont dans la merde hein. Avec le pouvoir que j'ai Vous les réglez ça comment? C'est exceptionnel. Ces nouveaux pouvoirs font de moi un super héros. Faut que j'arrête avec cette voix. Oui, on a dit ça, ce que j'ai parcouru dans ce printemps était insane. Ah! Ça se battait. Oh, t'es mort. Oh, je l'ai vu. Oh, t'es mort. Oh, putain, il avait un sap sur lui, il fait chier. C'est bon en fait, éliminer les adversaires en ayant un sabre, c'est bon en fait. En même temps, moi je regarde pas vraiment ceux qui ont un sabre et tout ça quand j'élimine quelqu'un. Eh, hey, je suis en top 11 là. Imaginez, je fais top 1 dans cette partie là. En vidéo, ce serait pour mon premier top 1 en vidéo YouTube. Allez, venez, on va chercher l'arme cheatée qui est là en haut. Le cercle de la tempête, ouais, là on est plutôt bien là. On survit plutôt bien. Bon, je sais pas si ça tient quelqu'un. Très honnêtement, on est un peu dans la merde, je pense. Parce que je sais qu'on va se faire hack là. Il y a quelqu'un avec le pistolet de Star Wars.
Merde, c'est où le... Ah, c'est là. Oh, y'a personne qui l'a pris la zone. Oh, attendez, attends. Ah non, je crois que c'était le retour des roquettes. J'allais dire. Oh, mon personnage, il est bloqué là-bas. Bas. Ah là, on est bien. Et là, je vais vraiment être avec plein d'armes cheatées sur moi. Par contre, j'ai rien pour me remettre potion et tout ça, donc je dois me liquider de la truc. Je préfère enlever mon sniper parce que là... Il vient d'arriver. Donne-moi l'arme. Ah mais c'est mon personnage, putain, j'allais dire. Ah, c'est mon bot plutôt. On doit reprendre la gourde du brave, c'est peut-être plus prudent. On va pouvoir faire ça, je vais garder ça et je garde le sabre laser. Wouhou! Trop bien. Putain, il m'a fait peur ce con. Là par contre, là je suis vraiment cheaté. Vous avez vu, je suis pas quelqu'un qui campe dans les airs. De temps en temps, ouais, je le fais. Mais là, ouais, je pense que je vais le faire parce que j'ai envie d'avoir le planeur du top 1. Parce que normalement, on en a un. À part s'ils l'ont pas mis cette fois-ci, ce qu'ils l'ont déjà fait. Hein. Il y en a qui va être sur une chute de 24 mètres. Il n'y a pas de montagne tout près, donc à moins qu'il soit tombé de là-haut. C'est sûrement ce qui s'est passé. Je viens de me rendre compte que j'étais pas discret, j'étais dans la haie avec un personnage qui est complètement con et un sabre laser qui fait du bruit et de la lumière. Je pense qu'on va aller à la prochaine zone. Je suis en train de perdre beaucoup de batterie là. No joke, si je fais top 1 dans cette partie. Oh, je l'ai éclaté. Je suis qu'avec des trucs cheatés là sûrement. En plus j'ai une couronne normalement, attends. Oh, c'est pas ça que je voulais faire. Ah non, je l'ai pas gardé en fait la couronne. Vu que j'ai quitté la partie et que j'ai pas fait de victoire avec, ben. Je l'ai pas gardé. C'est passant. Y'a plus que 4 joueurs, les gars. Je vais me les faire. Mais pourquoi il spam comme un chien lui aussi? Va voir ta mère, elle aussi elle s'est spammée. Pardon. Bon les gars, du coup on va aller voir tout ce qu'on a débloqué. Parce que là on a bien charbonné les défis là. Donc je pense qu'on a débloqué des choses là, c'est sûr et certain. Et si c'est pas le cas, bah de toute façon je serai dans l'obligation d'arrêter la vidéo ici. Parce que je vais pas faire une vidéo qui dure une heure hein. J'avais déjà fait ça et franchement voilà. C'est pas terrible. Alors, d'ailleurs, il y en a qui m'ont fait remarquer que je postais beaucoup de vidéos Fortnite. Et c'est vrai. Je suis beaucoup plus actif sur Fortnite. Enfin, que sur ma chaîne, je fais beaucoup plus de Fortnite qu'autre chose. Et c'est vrai en soi. Mais je m'en fous. J'aime bien Fortnite. Donc. Mais je vous rassure, il va y avoir d'autres choses parce que pour l'instant, il n'y a pas encore d'autres choses sur la chaîne. Donc. Voilà.
Donc attends, il faut obtenir de la réputation tactique. Je viens de voir. Attendez. Je vais voir les quêtes. Normalement, il est marqué. C'est ça les réputations, moi je suis un truc là. D'accord. Ah non, il faut... voilà, non, c'est là, c'est le tout premier. Un accomplissant des quêtes. D'accord. D'accord, donc ça va faire comme l'événement Most Wanted. Si j'ai bien compris. D'accord. Bon, eh bien, les amis, on va, je vais vous laisser ici tout simplement, et je vous tiens au courant si comment j'avance dans les quêtes pas au top. En tout cas, j'en ai déjà réussi une, donc ça c'est bon à savoir. Et bon, on continuera plus tard normalement. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Moi je vous dis à la prochaine, c'était Guépa, bisous bye.